Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous faire un schéma, j'allais dire plus à l'arrache. Pas plus à l'arrache, mais beaucoup plus authentique pour vraiment vous montrer les dessous du métier de marchand de biens, les imprévus, les choses qui m'énervent et les choses auxquelles tu devras faire face. Parce que le métier de marchand de biens, oui, c'est bien et tout, on fait de l'immobilier, tout ça. Mais c'est pas comme à la télé. Faut pas croire que c'est exactement comme sur les réseaux. Il y a des galères des fois. Et qui, avec le temps, tu te rends compte que ce ne sont pas des grosses galères, mais sur le coup, c'est tellement chiant, c'est tellement. Ça te rend fou, mais tu es obligé de le faire. Et là, dans cette vidéo, que j'ai décidé de faire beaucoup plus authentique, je vais vous montrer une petite contrainte que j'ai, qui me met hors de moi, mais je n'ai pas le choix, je dois le faire. Et le métier de marchand de biens, c'est aussi ça. Alors, au moment où tu vois cette vidéo, l'appartement est déjà vendu, il n'y a pas de problème. Ça, c'est sûr. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? C'est que cet appartement-là, je l'ai vendu, tout allait bien et tout, et malheureusement, au moment de la vente, quelques jours avant, on s'est rendu compte qu'il y avait une fuite au niveau du radiateur, qui est là, parce qu'on a changé le radiateur, et ça avait été mal fait par la société qu'on a pris. Ce sont des choses qui arrivent, on avait une fuite là. Vous voyez, le parquet, il est un peu plus abîmé, justement parce qu'il y avait de l'eau qui coulait. Donc, après avoir signé l'acte authentique, la promesse de vente, après avoir eu ces offres de prêt, donc on était en train de fixer, de caler une date pour pouvoir signer l'acte authentique. Et là, on se rend compte que le radiateur fuit. Et l'acheteur me demande, très sympa l'acheteur, il me dit, est-ce que je peux venir visiter l'appartement quelques jours avant? Ouais, je continue. Et l'acheteur qui est très sympa, qui me demande, est-ce que je peux venir visiter l'appartement quelques jours avant pour être sûr que tout va bien, qu'il n'y a pas eu un dégât des eaux, tout ça, pour qu'on puisse signer l'acte authentique. Et là, je me rends compte de ça. Et là, vous allez être obligé de gagner du temps, retrouver une autre société, parce que je n'ai pas voulu faire confiance à la même. Là, j'ai trouvé une super société, ça m'a coûté les deux bras, pas un bras, mais les deux bras pour faire ça. Et là, ils me l'ont refait avec de l'acier et tout. Bon, c'est vraiment bien fait maintenant. Et vous voyez, je me retrouve avec des tuyaux comme ça. Tout noir, au milieu de, avec les trous là, vous les voyez, hein. Et je dois tout faire refaire. On est vendredi, le mec veut visiter mardi, et il faut que pour mardi tout soit fait. Je pense que je vais essayer de trouver une excuse pour gagner du temps, clairement, parce que vous allez être obligé de le faire aussi quand vous êtes marchand de biens. Mais ça aussi, ça fait partie du métier, et c'est des choses qu'on vous montre pas tout le temps, mais vraiment, clairement, c'est un vrai problème. Et je vais vous montrer dans l'autre appartement, parce que j'ai un autre appartement dans cet immeuble, que j'ai fait refaire avec la même société, j'ai le même problème. Et ça, c'est des choses que vous devez, que vous pouvez pas anticiper, mais vous allez devoir y faire face si vous êtes marchand de biens. Alors cet appartement aussi est vendu, il s'est vendu encore plus vite que l'autre. Mais regardez, j'ai eu le même problème. J'ai eu exactement le même problème avec les tuyaux, vous les voyez. Donc on les a changés. Là, ici, on a été obligé de casser. Il y a eu des petites retouches faites, mais vous voyez que c'est pas propre. Là, les mecs, quand ils sont venus, ils m'ont mis des traces comme ça. Alors, cet appartement-là, on n'est pas en train de signer l'acte authentique. Là, on a signé juste la promesse et on n'est pas encore dans les. La dame n'a pas encore eu son prêt. Même si au moment où vous allez voir la vidéo, ça sera peut-être déjà le cas. Mais vous voyez les problèmes qu'on a. Et tout ça mène vers ici, qui est la chambre d'enfant. Et j'ai encore ce même problème. Il faut que je refasse repeindre mes tuyaux. Mon mur est complètement sale. Il faut refaire tout ça. Et c'est vraiment embêtant. Donc si je fais cette vidéo avec ce format assez strict, on va dire, c'est pour vous montrer aussi que des fois, ben, c'est chiant. En fait, des fois, c'est chiant. T'as pas envie. T'as pas envie de faire face à cette galère. T'as pas envie que ça arrive. Mais ça arrive. Et la boîte qui m'a fait les problèmes là, bah c'est une super boîte. J'ai l'habitude de travailler avec eux. Bah ça s'est toujours bien passé, mais là, ils m'ont envoyé un plombier qui n'était pas terrible. Et ben là, cette fois, ça m'a énervé. Et c'est des choses qui, dans ce métier, arrivent à tout le monde. Tous les marchands que je connaisse ont ces problèmes-là. Et si tu veux te lancer ou si tu t'es déjà lancé, crois-moi que tu les auras. Faut pas se décourager. Clairement, faut pas se laisser décourager pour ça. Mais quand ça arrive, c'est vraiment compliqué. Mais bon, ça fait partie de la vie. Donc, si tu veux être marchand, ne crois pas que ça va juste être j'achète des biens, j'envoie des mecs les réparer et je pars en vacances. Non, je te le dis vraiment, ça ne sera pas ça.
Il y a clairement un bon côté à être marchandien, le temps libre, les rémunérations, les marges, tout ça, c'est bien. Vraiment. Mais il y a aussi des choses comme ça qui vont polluer un peu ton quotidien. Parce que le quotidien, il est vraiment agaçant parfois. Tu peux avoir des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, ça monte, ça descend. C'est vraiment l'ascenseur émotionnel dans ce métier. Au moins, on ne s'ennuie pas. Mais quand c'est les contraintes comme ça, ben... Mais de toute façon, je te le dis tout de suite, si tu n'es pas prêt à régler ce genre de problème, tu n'es pas prêt à être marchand de biens. Et même après 10 ans, tu les auras toujours. Tu auras toujours des petites galères comme ça. Après, bon, il y a des gens qui le vivent plus ou moins facilement. Moi, ça va parce que je me dis qu'il y a pire dans la vie. Mais je sais qu'il y a des gens qui le vivent encore plus mal que moi. Donc, j'espère que ce petit format de vidéo vous a plu. C'est vraiment des vidéos pour montrer la réalité, uniquement la réalité. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, on en fera plus souvent. Merci. Bye.